Salut, salut, donc on se retrouve pour la première partie du haul. Vous verrez que dans la deuxième, je suis pas maquillée, coiffée, tout ça pareil, puisque je vous l'avais pré-filmé en fait. Voilà. Parce que là, on est samedi, donc il est 16h, la vidéo sort dans 2h. Donc là, je dois filmer, faire le montage et la publier. Enfin, l'enregistrer d'abord et la publier. Donc s'il y a un petit peu de retard, je suis désolée. Et bien seulement que le livreur arrive. D'ailleurs, j'ai vraiment pensé qu'il viendrait pas, donc j'ai même enlevé mes fossiles et tout. Je me suis gratté ici, j'ai été piqué, j'ai une piqûre de moustique et j'ai mon fauteuil qui s'est barré. Mais on s'en fout, c'est pas le principe. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté en première partie chez Creusot et on passera à la deuxième boutique juste après, qui est Beauty Lala, vous l'avez vu dans le titre de toute façon, donc pas de suspense. Donc j'ai fait une commande chez Creusot parce qu'il me fallait absolument des vitamines. Alors attendez, je vais essayer de toucher le carton, vous le voyez, je ne sais pas. Il me fallait absolument des vitamines parce que je m'en ai plus et j'adore leurs vitamines, elles font leur job et elles sont vraiment pas chères. Donc je vous mets les prix affichés à l'écran, hors promo puisque voilà, je sais pas trop les promos. Donc là j'ai repris deux vitamines, donc c'est de la marque Creusot, c'est les Multi AZ Complete, résistant, il y a 60 comprimés dedans, donc ça fait 2 mois, donc là je suis partie pour 4 mois de vitamines. Et elles sont vraiment très 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 complètes. Voilà, il y a un peu de tout dedans comme vitamine. C'est le genre de supradin en fait. Peut-être avec une plus petite dose de vitamine à l'intérieur, mais elles font leur job. J'en demande pas plus. J'ai pas de carence, donc voilà, je continue à les prendre. Et j'adore ces petites vitamines. En plus, comme il faut que je reprenne, je vais essayer de vous montrer, il faut que j'ouvre. Donc il y a une pascule. Elles sont jolies. C'est pas ça qui fait l'effet de la vitamine, hein, mais elles sont jolies quand même. C'est des roses nacrées. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, la taille du comprimé. Ça change pas grand chose au principe même de la vitamine, mais quand même. Ensuite, il y avait de nouveau une promo sur ma couleur. Donc j'en ai repris deux, puisqu'elles étaient les deux pour 8 euros. Voilà, c'est celle que je fais tout le temps. Donc c'est la Midnight Blue. Même si on voit pas vraiment le blue, surtout une fois que j'ai les cheveux blancs. Mais au soleil, il y a quand même des petits reflets bleus que j'aime bien. Et voilà, j'aime beaucoup cette colo. Qui, je le rappelle, pour celles qui arriveraient là par hasard, contiennent de l'ammoniac. Voilà, mais vu le prix, ça me dérange pas. Et donc ensuite, il fallait que je comble un petit peu pour les fruits pour café. Donc j'ai comblé. Donc voilà, j'ai fait et reste ça. Donc les prix, je vous les mets à l'écran et voilà. J'ai repris un backup du Skinny Lash de la marque Creusot. Je vais vous montrer le mien, non parce qu'il est en bas, donc c'est celui que j'utilise pour les cils du bas avec la toute fine brosse là, c'est juste génial. Donc je me suis repris un backup. Avant de passer au sourcil, au soap brow, donc je vous remets le crash test ici, c'était la vidéo de hier. Je l'ai fixé avec un gel et je voulais un transparent pour faire moins foncé ou plus diffus, je ne sais pas. J'ai repris celui de chez Essence qui a été un gros favori pendant très longtemps pour moi. Maintenant du coup comme je suis passée au savon, je ne vais plus en avoir l'utilité, donc je ne sais pas. Je vais certainement le mettre dans les lots des concours. Voilà. Du coup, pour rester dans la lignée des sourcils, je me suis pris le Micro Precise Eyebrow Pencil de chez Essence. C'est une pointe slim de 1,5 mm. Il est waterproof et j'ai pris la teinte Dark Brown, comme d'habitude. Donc, ah oui, il est tout petit. Je sais pas si vous allez voir la mine, mais elle est vraiment très petite. Alors la couleur, j'espère qu'il n'est pas trop chaud. Non, ça a l'air bien. Ah, il a l'air pas mal, il a l'air pas trop gras, pas trop sec. J'ai hâte de tester ça. Donc, il y avait une promo sur les produits Catrice, qui était le deuxième à moins 50%. Là, je vais vous en montrer que 5, bien que j'en ai commandé 6, mais voilà. Donc, j'ai pris deux huiles pour les lèvres. Voilà, pour essayer de bien les renourrir un peu et les repulper, si je puis dire. C'est le Lip Oil with Sweet Almond Oil. C'est le Smooth Operator. Qu'est-ce qu'ils disent ? Huile de soin ultra nourrissante pour les lèvres, pénètre rapidement dans la peau, huile d'amande douce, huile de noyau d'abricot, huile de jojoba et vitamine E. Donc bah écoutez, ça on va tester. Donc c'est un tout petit format pipette, comme ça, je ne sais pas si c'est super pratique pour les lèvres. Ça sent super bon. Super bon. Et dedans, il y a 10 ml. Donc c'est pas mal.
J'ai pris aussi le Lip Super Sérum. D'ailleurs, il est même fermé. Lip Super Sérum with Abricot Kernel Oil. Noyau d'abricot. Sérum pour les lèvres parfaitement soignées. Il s'appelle Wonder Woman, mais ils disent rien de spécial. Et il y a 2,5 ml. Sauf que là, c'est un gloss avec un embout gloss. En plastique, mais un embout gloss quand même. C'est un petit pinceau. Donc voilà, j'ai pris ça pour le soir pour que ce soit plus pénétrant, enfin que ça reste un peu plus longtemps sur les lèvres qu'un bête paume à lèvres que j'utilise habituellement. Et je me suis pris 3 rouges à lèvres. Alors pour une qui a dit qu'elle devait se calmer avec les rouges à lèvres, c'est 3 nudes en plus, et c'est vrai qu'ils ont l'air très ressemblants, mais ils sont pas ressemblants. Donc c'est les nouveaux, c'est les Matte Pro Ink non transfert liquide lipstick qui durent 12 heures. C'est les nouveaux par rapport. Donc moi j'en ai de l'ancienne version, la génération matte, et maintenant ils sont passés au Matte Pro Ink. Voilà, c'est quasi les mêmes, hein. C'est totalement les mêmes, sauf que le capuchon est rose gold, voilà, et qu'ils ont changé de nom. Donc j'ai pris d'abord la teinte, on va les faire dans l'ordre, la teinte 10 qui est la Trust in Me. Voilà, donc je cherchais un nude rosé, donc j'ai pris tous ceux qui me semblaient correspondre. De toute façon, c'est pas perdu. Alors, ils sentent toujours aussi bon. Le caramel. Caramel vanille, vous savez. Ouh, je vais bien t'aimer, toi. Voilà, bon, c'est un nude, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, mais il est bon. Ensuite, il y a le 40 Braveness Wins. Ouh, qui est comme ça. J'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Voilà, mais tous à un côté de l'autre, comme ça on verra la différence. Hein. Ah, il est un peu plus rosé, ouais. L'autre est un peu plus marronné, celui-ci est plus rosé. Ok. Non, mais parce qu'il faut bien que je me console. Quand j'ai vu les trois, j'ai mis c'est les mêmes. Voilà. Et le dernier, j'ai pris le 70 I'm Unique. Et ouais, of course. Qui est un peu plus mauve. Rose, mauve, ouais, il est un peu plus mauve. Donc c'est pas du tout les trois mêmes, en fait. Voilà. Tu es jolie, ma chérie. Eh bien, ils sont très jolis. Donc, à voir ce qu'ils donnent sur les lèvres. Là, je ne vais pas tester, puisque maintenant, je vais aller me démaquiller, faire le montage et tout ça, tout ça. Pour une qui ne devait plus commander de rouge à lèvres. Il y a les trois là. Et je viens de recommander 10 fois qu'à lèvres. Pas bien. Bref, donc, je vous laisse tout de suite avec la partie Beauty Lala. Et j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour un crash test des produits que j'ai achetés chez Beauty Lala. Donc, vous allez voir ça juste après. Et après, on recommence les vidéos normalement, hein, quand même. Dans cette deuxième partie, puisque je filme cette vidéo en deux parties, j'ai dû vous l'expliquer dans la première partie, mais comme je filme la deuxième avant la première, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Donc là, on est à la deuxième partie. C'est un site que j'avais très hâte de vous partager, que j'avais très envie de... C'est une marque que j'avais très envie de tester. Donc en fait, ça fait plusieurs mois que j'ai envie de tester la marque que j'ai commandée. Mais on peut la trouver chez Dee pour les Belges, voilà, comme ça vous savez. À chaque fois que j'y allais, j'y vais pas souvent déjà, et les 2-3 fois que j'y suis allée, qu'il y avait la marque, il n'y avait plus ce qui me plaisait le plus, il n'y avait plus en stock, ou puis ils n'ont pas les nouveautés. Après, quand j'ai été me renseigner pour la marque et tout ça, j'ai vu qu'il n'y avait pas les nouveautés. Donc j'ai cherché un petit peu avec cette histoire de confinement et tout ça qu'on ne pouvait plus sortir, du coup, je suis tombée sur un site UK, donc un site anglais qui est basé à Londres. C'est le site Beauty Lala et oh my god, il y avait tous les produits Rude, puisque la marque que je voulais tester depuis longtemps, c'est Rude Cosmetics. On va faire un crash test, la prochaine vidéo, ça sera un crash test de cette marque. J'ai pris des produits lèvres et yeux, quoi. Je veux dire, j'ai pas pris fond de teint, anti-cerne, tout ça, puisque j'aime trop mes produits et au final, j'achète pour les tester une fois et après, je les aime pas. Donc, enfin, je peux potentiellement l'aimer, hein, voilà, mais j'aime tellement les miens que j'ai pas besoin de tester ce genre de produit-là. Donc, pour commencer, je suis donc tombée sur ce site vraiment par hasard. Et en discutant avec rudecosmetics.fr sur Instagram, enfin, la page rudecosmetics.fr, ils m'ont dit que c'était des fournisseurs également, le fournisseur officiel de chez eux aussi. Donc je me suis un petit peu lâchée parce qu'en fait pendant le confinement ils ne lançaient pas les livraisons en fait, donc fallait attendre, ils validaient votre commande et tout ça, fallait attendre, mais du coup c'était deux produits achetés à offert.
le moins cher offert, mais quand même un offert. Donc je me suis un peu lâchée, du coup j'ai fait deux commandes. C'est un cadeau de mon mari, donc voilà. Ensuite, j'ai envoyé un mail, puisque du coup j'ai fait les deux commandes, mais je les ai fait presque à la suite. Je les ai fait avec, je vais dire, une heure de battement. Du coup, j'ai envoyé un mail pour dire que voilà, j'étais désolée de l'avoir fait en deux parties, mais que si ça les arrangeait, ils pouvaient regrouper les deux colis en un qui fasse à leur aise et tout ça. Alors déjà, le truc qui m'a choqué, c'est qu'ils m'ont remercié de ma politesse. C'est un truc de ouf, parce que je me dis, c'est pas normal qu'ils se rendent compte qu'une personne est polie, quoi. Je veux dire, normalement, quand on écrit à quelqu'un ou quand on parle à quelqu'un, la politesse est la moindre des choses. Je suis vraiment tombée en amour de ce site, je sais pas pourquoi. Alors, je suis tombée en amour de la marque Rude Cosmetics, là, rien qu'avec les packagings et les visuels et tout ça, puisque je les avais pas testés. Enfin, je les ai toujours pas testés, d'ailleurs, mais j'ai vraiment eu un coup de foudre pour leur univers, en fait. Il y a pas mal de dupes aussi. Ça, j'ai remarqué qu'il y avait quelques dupes. Mais bon, voilà, moi ça ne me dérange pas, au contraire. C'est une marque qui n'est pas bien chère. Et je suis également tombée en amour de ce site qui est assez récent, il me semble. Il me semble qu'il est assez nouveau. Voilà, je trouve que, en ayant discuté plusieurs fois avec les personnes qui s'occupent du site, là, ils sont vraiment. Le service après-vente est génial. Ils répondent vraiment très vite. Ils sont d'une extrême gentillesse. Enfin voilà, merci. Beauty Lala. Merci. Si vous passez par là, alors je sais qu'ils comprennent pas le français, c'est plus espagnol-anglais, donc je suis désolée, mais voilà, vous avez fait fondre mon cœur avec votre gentillesse, et c'est adorable. Donc sur le site, il n'y a pas énormément de marques, il y a Rude, voilà, je crois que vous l'avez compris, il y a Sozu aussi, c'est des fossiles, il y a la marque Kiss aussi, ils ont quelques fossiles, il y a un petit peu de Révolution, voilà, ils n'ont pas énormément de marques, mais comme ils viennent de commencer, je pense que les marques vont s'élargir, ainsi que les moyens de paiement. Pour l'instant, il n'y a que la carte bleue, quoi, hein, j'ai dû payer par la Visa, tandis qu'ils vont, enfin, ils m'ont confirmé qu'ils allaient bientôt essayer de mettre d'autres moyens de paiement, notamment PayPal, mais qu'il faut que, enfin voilà, il faut qu'ils mettent tout ça en place, quoi. Donc comme ça, vous le savez, ils viendront un jour au paiement par PayPal au minimum. Ensuite, vous avez la possibilité, quand vous vous inscrivez sur le site, de choisir votre marque préférée. Je vous laisse deviner laquelle j'ai choisi. Et vous avez 10% à vie sur cette marque-là. Voilà. 10% de réduction, qui ne sont forcément pas cumulables avec les autres promotions. Moi, j'ai dû choisir entre les 10% de ma marque préférée et les 3 produits pour le prix de 2, quoi. Mais voilà, vous choisissez après en fonction de ce qui vous revient le moins cher. Et vous gagnez également des points suivant le montant de vos commandes. C'est 1 euro égale 1 point. Et ces points-là sont transformés ensuite en bons de réduction pour votre prochaine commande. Donc c'est tout bénef. Si Makeup Revolution pouvait faire ça, moi je suis heureuse. Hein, parce que voilà. Il y a d'autres commandes qui sont prévues. Enfin, au moins une autre. Parce que Rude Cosmetics, donc j'ai vu sur le site US, qu'ils ont sorti des liners pailletés. Vous connaissez mon amour pour les liners pailletés, donc je serai obligée de les acheter. Donc là, j'attends qu'ils sortent sur le site, justement, Beauty Lala, puisque j'ai quelques petits sous déjà de côté dans ma cagnotte. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai acheté, je vous affiche juste ici le code promo qu'ils m'ont donné pour vous. Donc c'est un bon qui est valable jusqu'au 31 décembre. Donc c'est juste génial parce qu'il est valable tout le reste de l'année. De 10% sur tout le site, hormis votre marque favorite. Forcément, vous n'allez pas avoir 20% sur votre marque favorite, qui ne sont pas cumulables avec les autres promos aussi. Et il me semble, en ayant testé un petit chouïa rapido, qu'il y a un montant minimum d'achat sur les autres marques. En fait, vous avez 10% sur tout le site grâce à ce code, mais avec un montant minimum d'achat, je pense que c'est 10 ou 15 euros. Moi, j'étais à 19 euros dans mon panier, et là il s'est activé, alors que quand j'avais mis qu'un truc à 5 euros, ça me marquait que j'avais pas assez, donc voilà, c'est entre 5 et 19 euros. Mais voilà, je les remercie pour ce code coupon pour vous, parce que je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, je pourrais en bénéficier aussi si je commande d'autres marques. Vous avez également la petite section onglet au-dessus, enfin dans les petits onglets au-dessus, donc je vais essayer de vous afficher des captures d'écran, parce que pour que vous compreniez bien, parce que ça je viens de le découvrir il n'y a pas longtemps. Si vous cliquez sur l'onglet Outlets, il me semble que c'est Outlets, donc c'est des produits entre 1 euro et 5 euros, me semble-t-il. Vous avez dedans du Essence, du Catrice, du Wet n Wild, enfin plein de marques différentes à tout petit prix. Ils sont encore moins chers qu'ailleurs. En fait, c'est des fins de stock, je pense, qui récupèrent. Pareil pour Makeup Revolution, mais les produits sont un peu plus chers, par contre.
Après, avec les 10%, je pense que ça sera un peu kiff-kiff. Mais par exemple, si vous avez raté un produit de la collection d'Halloween de chez Révolution, eux, ils l'ont peut-être encore potentiellement. Voilà, donc comme ça, vous savez, ils ont apparemment, c'est des fins de stock un peu qu'ils ont et qu'ils mettent en promo pour certains produits, certaines marques. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc j'ai reçu ma petite commande. Enfin, quoi, je vous dis petite. Voilà. Je me suis un petit peu lâchée, je dois l'avouer, mais il y a beaucoup de produits qui me faisaient très 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 envie. Alors dans le paquet, c'était super bien emballé, super bien protégé. Ils l'ont posté le 12 et je l'ai reçu hier. Aujourd'hui on est le 19. J'ai reçu le 18. Donc hier on était lundi 18, donc il y a le week-end que vous enlevez. Voilà, ça a vraiment pas mis longtemps à arriver. Donc ils m'ont mis des petites sucettes là que c'est mes enfants et mon mari qui ont mangé, et ils m'ont également mis un rouge à lèvres rude cadeau. Je trouve ça génial, c'est vraiment sympa, et c'est un nude en plus et qui a l'air très 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 beau, donc je vais vous le swatcher. Oh oui, sympa, j'aime bien, hein, c'est sympa torche. Donc merci Beauty Lab, franchement foncez. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai pris le spray primer et le Radiant Lasting Makeup Mist. Il faut juste que je vous montre les packaging, quoi. C'est un truc de fou. Après on est d'accord que le flacon il ressemble plus du tout à ça. Hein. Mais les packaging c'est des trucs de fou, je vous jure. C'est canon. J'adore. Donc d'abord on a le spray, la base en spray. Alors, est-ce qu'ils disent quelque chose? Maquillage après vaporisateur. Voilà. Donc, c'est une marque aussi qui est cruelty free. Vegan, je ne suis pas sûre, mais il me semble que j'avais vu quelque part vegan quand même. Là, c'est pas marqué, mais c'est une marque totalement cruelty free. Hydratant. Je ne sais pas en français, non. Hydratant, anti-inflammatory et refreshing. Donc, voilà le petit primer en spray. Donc c'est un primer, hein, mais voilà. On va voir si le pchit est... Bon, comme ça, il sent le frais. Le pchit a l'air super bien. Ouais, il sent le frais, mais rien de bien spécial. Mais bon, ça, on testera pendant le crash-tête. Donc, c'est les deux seuls produits teints que j'ai pris, c'est le fixateur et le primer, puisque c'est des choses que j'utilise tous les jours. Donc, voilà. En principe, j'en ouvre pas deux d'un coup, mais ça fait longtemps que je suis avec mon primer Watermelon de Primark, là, et j'arrive pas à le finir. Et le fixateur est comme ceci, focus, merci. Donc le fixateur, il existe aussi en version matte. Moi, je l'ai pris en version hydratante, quoi. Donc là, il est hydratant puisqu'il retient l'hydratation de la peau. Il est brightening, donc éclaircissant, illuminant et weightless. Donc, weightless, je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est pas écrit en français. Ça, c'est chiant. Ah si, un teint lumineux sans effet gras avec la brume radiante. Oh là là, c'est impossible à lire. En même temps, je dirais sur l'autre paquet, c'est peut-être écrit aussi en français, non? Un teint lumineux sans effet gras avec la brume radiante, la Sting de Rude Cosmetics. Sa formule illumine, hydrate, rafraîchit et équilibre le maquillage. Vaporisez et gardez votre maquillage toute la journée. Oh, mais le packaging est canon. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Et pour le primer, qu'est-ce qu'ils disent dessus? En tant qu'affaire, je vais tout vous lire, hein, maintenant que je sais lire. Enfin, maintenant que je sais lire. Vous m'avez compris. J'espère. Alors... Mais c'est pas... Ah si, préparez votre visage et rafraîchissez votre peau tout au long de la journée avec le spray de maquillage à base de vitamines. Vaporisez surtout le visage en évitant les yeux et la bouche. Voilà. Et vous pouvez vous en servir aussi pour vous hydrater tout simplement le visage. Donc encore un petit visuel sur ces petits packagings de folie. Voilà. Donc je vous montrerai les palettes en dernier, juste pour vous embêter. Donc j'ai pris quand même un produit lèvres, j'ai pris un crayon rétractable comme ça, jumbo, j'adore. Donc ce sont les Matnificent Lip Crayon, et moi j'ai pris la teinte Bear, qui est un nude rosé, je pense, j'espère, puisque c'est ce que je cherchais. Donc voilà le packaging, quoi. Oh, c'est trop beau.
Franchement, vous êtes canon, quoi. Et donc, le crayon est rétractable. Et je pense qu'au bout, voilà. Comme dans chaque crayon rétractable, comme ça, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a un taille-crayon. Pour tailler la mine et qu'elle soit bien fine. Oui, c'est exactement la teinte que je voulais. C'est un nude rosé. Donc, j'ai le nude beige marronné et le nude rosé, comme ça. Génial. Génial. Oh là là, j'ai hâte de tester ça. Alors, j'ai pris également, pour mettre sur les yeux, un fard à paupières liquide. Pailleté. C'est les Star Party Liquid Eyeshadow. Donc, ça se présente comme ça, dans un packaging tout holographique, ma chérie. Et c'est la teinte Star Child. Alors, est-ce qu'ils disent quelque chose ici? Non, il y a les ingrédients. Dites bonjour aux yeux brillants avec une longue durée. Makeup with an attitude. Ok. Donc ça se prononce, ça se prononce, bien sûr, cocotte. Ça se présente comme ça, donc avec un capuchon, donc c'est carré. C'est un capuchon rose gold. Et dedans, vous avez les millilitres, 3,5 grammes. Donc c'est pas rien. Il y a combien dans les... Alors, est-ce que c'est marqué ici combien est-ce qu'il y a dans les Beauty P 4,5 ml. Donc, c'est la même chose que les Beauty P, sauf qu'ils sont un tout petit peu plus petits. Et il est trop beau, quoi. Il est canon. Je vais essayer de vous montrer de plus près, quand même. Bah, je ne sais pas si vous verrez bien la teinte comme ça emballée, mais je vais vous faire un swatch. Ouh, il est beau. Donc moi je me sers de ça aussi bien en liner pailleté que en fard liquide. Donc logiquement c'est censé sécher après. Voilà pour ça. Je suis trop contente. J'avais tellement hâte de tester cette marque et de recevoir. Alors la palette au départ que j'avais craqué quand j'avais vu chez Dee, j'avais vu le testeur, c'était celle-ci. La Blackjack. Donc vous avez 21 fard à paupières dedans et c'est la Mean Girls parce qu'il en existe deux autres, il me semble, deux ou trois autres, je ne sais plus. Pour l'instant, j'ai juste pris celle-là parce que c'est vraiment celle qui me tentait. Enfin, dans cette. Vous avez les couleurs de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il y a un grammage? Point net 21 grammes. La nuit de casino n'a jamais été aussi glamour. Les nuits mémorables commencent avec des regards étonnants et c'est ainsi que la palette Blackjack 21 Eyeshadow a été créé avec 21 nuances brillantes, scintillantes et mates. Vous aurez plein d'options qui ne manqueront pas d'étonner. Qui est prêt à rencontrer Madame la Chance? Donc voilà, la palette sont à chaque fois dans des petites encoches comme ça. Mais bon, moi je jette, hein, ça m'est vraiment pas utile. Donc voilà, la fille est trop jolie. Bon, la fille est de ce côté-ci. Elle est vraiment très jolie. Et elle a un très beau smoky. Et alors vous avez le petit film de protection qui finit aussi à la poubelle. Vous avez un grand miroir. Donc voilà pour les couleurs de la palette. Oui, mon mari est venu, donc voilà. Donc elle se plie en deux. Ça j'adore. Et voilà. Alors c'est pas une transformante, mais vous allez voir que j'ai pris une encore moins étonnante. Mais je vous montrerai après. Mais c'est vraiment le genre de teinte nude que j'aime moi. En fait, il y a du un peu rouge orangé. Il y a du rose, il y a du bordeaux, il y a du prune, il y a un noir. Il y a un beige, mais je pense qu'il sera beaucoup trop foncé. Je sais pas. Ouais, il est trop rosé en tout cas, mais bon, au moins il est là. Il y a un petit lumineux clair pour illuminer le coin interne. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Alors, je suis un peu déçue par le Las Vegas parce que c'est vraiment celui-là que j'attendais le plus. Parce que quand on voit ici... Regardez ici sur le carton. Las Vegas, il est où? Là. Vous voyez, on dirait que... En fait, moi, je pensais que c'était des paillettes. Un fard pailleté. Alors, c'est un fard lumineux. On est d'accord. Donc, attendez, il est où? Parce que je suis à l'envers. Là. Vous voyez? On va dire que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et dans mes souvenirs, je ne me souvenais pas que... Mais il est beau. Il est beau quand même, hein? Et puis, il est super lumineux. Mais donc, il faudra tester ça. Alors, on va quand même regarder un peu pour la pigmentation. Hein, tant qu'à faire, on va prendre le rose ici, le Luxury. Alors, les noms des fards, j'adore. Bah, écoutez, on va prendre le High Oats ici. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire d'ailleurs. Qui est le rouge, qui a l'air d'être un vrai rouge.
Bon, ça a l'air un peu grumeleux. Je pense que c'est des fards qu'il faut travailler prudemment quand même. Lequel on pourrait swatcher? Ici, le Low Hoots. Je vois plus ce que je fais. Bah, écoutez, je pense que question pigmentation, on est pas mal. Donc voilà pour la première palette que j'ai pris, que ça faisait très longtemps que je voulais. Alors ensuite, les autres, ce sont des books. En fait, ils appellent ça des books. Hein. J'ai pris le book 5, le book 8, c'est bien 8, 8, et le book 2. Je suis lâchée, je vous dis, je me suis lâchée. Voilà. Alors vous voyez pas bien la deuxième qui est remontée. Je vais d'abord vous montrer d'ailleurs celle qui m'a vraiment fait craquer. La Mère Fantasia, c'est ça, hein? Mère Fantasia, ouais. Alors, la couverture, on n'en parle même pas, quoi. Truc de fou. Et donc, dedans, vous avez 35 eyeshadow, point net, il y a un point quelque part de noter. Point net 52,5 g. 35 couleurs de pure fantaisie de sirène avec des paillettes extrêmes et des mattes qui se mélangent. Vous pouvez maintenant créer des looks multiples qui sont idylliques et prêts pour l'aventure. Oh, oh. Donc voilà, la même... Mais franchement, pouvons-nous nous poser 5 minutes pour admirer cette merveille? Donc, best-selling fantasy novel, 35 eyeshadow palette, book 8, la marque ici, une petite île avec une cascade ici, magnifique, magnifique. Donc pareil, à l'intérieur, vous avez le film plastique, vous avez ici, ce côté-ci, un chapitrage, c'est trop marrant. Et voilà donc les couleurs. Donc ici, il n'y a pas de miroir. Voilà donc les couleurs. Oh my god. Donc celle-ci, je ne vais pas swatcher, je ne vais pas faire de swatch du tout, parce que ça sera un swatch and make-up. Les deux prochaines que je vais vous présenter, c'est sûr que ce sera des swatch and make-up. La première aussi, certainement. Mais là, voilà. Par contre, le vert ici, il est magnifique, quoi. Ici, c'est... Oh là là, trop beau. J'ai foutu mes doigts dégueulasses dedans encore, bien sûr. Les... Oh, voilà. Celui-là, il est mat, mais avec des micro-paillettes à l'intérieur. C'est un rouge bordeaux, comme ça. Vous avez un noir, un beige encore, mais un peu trop foncé. Mais bon, ma foi, cette couleur fabrique a l'air magnifique. Oh là 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 là. Admirez-moi cette merveille. Canon. Canon, canon, canon. Chapeau. C'est trop beau. J'ai trop hâte de tester ça. Trop hâte. Ensuite, le deuxième que j'ai pris, c'est le Book 5. Et c'est la The Wood Awakening. Awakening Pulp Fiction, best-selling Pulp Fiction. Donc je vais déjà enlever la jaquette, hein, parce que de toute façon la palette c'est la même chose. Et regardez-moi ça. What? C'est un univers, je vous jure, complètement délirant. J'adore, 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 j'adore. Oh, j'adore. Magnifique. Donc on enlève le petit plastique rouge. Donc il y a aussi ici le chapitrage et voilà les couleurs. Donc c'est beaucoup du nude, mais il y a les deux kakis là qui ressortent du lot, qui m'ont juste donné trop envie. Et ici vous avez un gris métallisé comme ça, argenté. Magnifique. Magnifique. Ici un cuivré là, qui a l'air somptueux ici aussi. Oh là 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 là. Mais alors c'est vrai que moi j'ai vraiment craqué sur les deux verres ici. Alors, acheter une palette de 35 fards juste pour deux pannes, c'est un peu con-con, hein, on est d'accord. Mais, voilà, le packaging a fait énormément, je vous l'accorde. Mais la dernière a fait encore plus. Là, je vous l'avoue, je l'ai acheté uniquement pour le packaging. Uniquement. Après, j'ai eu une palette offerte. Voilà, et bien sûr... Je pense que maintenant vous commencez à me connaître. Il y en a une que j'ai pris en double. Laquelle, je ne sais pas. Mais il faudra attendre Noël pour savoir. Je pense. Ou les 5000 abonnés, s'ils arrivent un jour. On n'est qu'à 2000, donc c'est pas gagné. On sera plus vite à Noël. Mais alors celle-ci,
C'est la rue Japanese Anime, Manga Anime, le book 2. Je vous avoue, je l'ai pris uniquement. Mais alors, je vous jure, hein, uniquement pour le packaging. J'ai craqué. Après, les couleurs ne me déplaisent pas. Hein. Mais vous allez voir que c'est que du nude. Oh, c'est pas du tout mon genre, on est d'accord. Quoique, de temps en temps, j'utilise du nude aussi. Hein, voilà. C'est sûr qu'en vidéo, si je vous fais un make-up nude, c'est un peu plus chiant à regarder que si je vous fais un make-up comme je porte aujourd'hui. D'ailleurs, qui est un IGTV et que je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà. Moi, elle m'a fait penser à une grande de chez Colourpop qui me faisait de l'œil, même que c'était du nude. Ben, moi, je trouve qu'elle m'a fait penser à ça. Donc, voilà, j'ai craqué. Et de toute façon, c'est pas perdu, hein, parce que j'ai des passes, moi, vous commencez à me connaître. Hein. Je peux très bien être dans le super coloré et après me maquiller qu'en nude pendant 6 mois. Mais voilà, elle me faisait vraiment très envie. C'est un peu con-con, mais c'est comme ça. Je l'ai acheté uniquement pour le packaging. J'avoue. Faut avouer, et à moitié pardonné. Donc voilà pour mes petites trouvailles rudes. Alors le fard liquide a totalement séché. Je vous remets donc en barre d'infos le lien du site et le code promo, comme ça vous le savez. Je vous mettrai de toute façon sous chaque vidéo puisqu'il est valable jusqu'à la fin de l'année, donc autant en profiter. N'oubliez pas, avant de passer une commande, de choisir votre marque préférée. Donc moi je vous conseille, moi je savais que j'allais dessus juste pour Quill, donc j'ai choisi celle-là. Je vous conseille de peut-être remplir votre panier avant et de voir la marque que vous préférez, que vous avez le plus dedans, et de choisir cette marque-là. Enfin voilà, après vous faites comme vous voulez, hein, mais pour avoir le plus de pourcentage possible. Voilà. Donc voilà ce qui conclut ce haul. Vous avez eu creux de vatte en première partie, mais là c'était plus des choses que j'avais besoin. Là, il y a zéro besoin dans ce que je viens d'acheter. Hein. Mais j'avais trop envie. Donc voilà. J'ai craqué mon slip totalement. Voilà, ça arrive. Donc j'essaierai de vous faire des swatches de make-up. Alors on est d'accord, sauf avec celle-ci, parce que faire des swatches de 35 fards nude. On va la tester dans le crash test. Comme ça, j'utiliserai en même temps ceci. Ça ira très bien avec. Et voilà, les autres, je ferai des swatches de make-up par contre. Et la mermaid, là. La mère Fantasia, j'en ferai certainement plusieurs parce que là, il y a infiniment de possibilités. Voilà, je suis trop contente. Donc j'espère que les deux parties de ce haul vous auront plu. D'ailleurs, j'ai encore fait une commande révolution, mais là, c'est que des soins parce que j'avais besoin de soins. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Thank you.